Salut les gars, il est 10h. Good morning, vélo! C'est parti les gars! C'est la guerre! Aujourd'hui, c'est la guerre contre les Belges! Alors je vous préviens, ça va pas rigoler! Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut être de bonne humeur parce qu'on va faire une séance en résistance assez dure, d'accord? Le but, c'est pas tellement de s'éclater, de s'amuser, de rigoler, de se faire des messages. Là, aujourd'hui, bam! Aujourd'hui, on bosse. On va développer notre résistance musculaire. Ta gueule, Rocky. Ok? On va développer notre résistance musculaire à supporter le plus longtemps possible l'acide lactique, à recycler l'acide lactique et évidemment, bien sûr, être plus fort plus longtemps. Donc, il va falloir s'accrocher aujourd'hui. Toujours en introduction, je rappelle les us et coutumes et usages. Ceci n'est pas un plan d'entraînement, c'est une séance de démonstration qu'il vous convient d'intégrer dans votre quotidien, votre préparation, votre forme, etc., etc., etc. D'accord ? On ne peut pas avoir un suivi logique entre les séances, encore une fois, parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas vos objectifs, votre niveau, et je ne peux pas suivre l'intensité que vous mettez dans ces séances. Donc, soyez prudents, faites-le à votre rythme. Surtout la séance d'aujourd'hui, les amis, très clairement, c'est une séance qui va être intensive. Donc, si vous arrêtez à la première, à la deuxième, à la troisième, à la cinquième ou à la Xème répétition, c'est pas grave. D'abord, personne ne verra. Ok. Le but, c'est qu'on le fasse en bonne entente. Je voudrais dire un dernier mot encore. Là, c'est le côté sérieux, mon capitaine. Ok. Bon. Encore un mot, c'est que il y a eu pas mal de parutions, surtout ces derniers temps, sur attention avec le coronavirus. Il faut pas faire d'entraînement intensif. Oui, pas d'entraînement intensif. Ça veut dire que pour les sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques, qui préparent le Tour de France, qui préparent une compétition, pourquoi ils annulent tout, même si ça va être au mois de juillet, etc. Parce que si vous faites un entraînement intensif, vous mettez votre vie en danger, évidemment, parce que là, vous affaiblissez votre système immunitaire. Mais ça n'est pas notre cas, d'accord? Si on fait 45 minutes, une heure de home trainer par jour, un peu de sortie extérieure, etc., on ne fait pas un plan d'entraînement intensif. Si vous suivez les plans d'entraînement, la meilleure cyclo tous les matins à 10h, vous remarquerez que je fais 2 séances à haute intensité par semaine, 2 séances seulement, d'accord? Voilà, et ce n'est pas parce que je fais 6 séances par semaine que vous devez les faire, vous devez prendre aussi, les amis, du repos. Voilà, ok, vous êtes chaud parce qu'il y a Richard qui est chaud, patate. Alors, on y va, on attaque. Vous avez vu, petite innovation ce matin. Eh oui, j'ai mis le vélo en travers, vous allez me dire si vous préférez ou pas, d'accord? Alors, une chose qui est très importante, comme d'habitude les amis, la petite boisson, elle est là, elle est à disposition. Ce matin, comme c'est intensif, j'ai mis… Putain, il y a le papier qui s'envole, tu le crois ça? Alors, comme c'est intensif, j'ai mis dans ma boisson 40 grammes de glucides, d'accord? Une boisson énergétique avec 40 grammes de glucides, d'accord? Parce qu'il faut tenir les efforts, il va falloir tenir l'intensité. Si vous ne le mettez pas… Il va y avoir un vent de folie, ça va être la guerre. Si vous ne les mettez pas, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez craquer à la 5e répétition, alors que si vous aviez eu un apport en glucides exogène, eh bien peut-être que vous auriez tenu 7-8 répétitions au lieu de 6. Et voilà, donc on s'entraîne plus fort, plus haut, plus loin, avec une bonne alimentation. Alors, je mets… Voilà, je suis parti. Alors, je vais vous dire un truc, les gars. Aujourd'hui, on va faire l'échauffement, d'accord? Mais après… Ne m'en voulez pas si je ne vous tchatche pas pendant l'entraînement, hein, parce que là, c'est la guerre aujourd'hui. D'accord? C'est la guerre. Vous vous souvenez? On a mon colonel. Allez, hop, on a une revanche à prendre sur nos amis belges. D'accord? Donc, on ne va pas gêner. D'ailleurs, tiens, pour l'échauffement, je ne vais pas mettre ma casquette. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore comme connerie? Hein? Bon. Alors, j'ai proposé à mon ami Bernard, je vous rappelle. Vous pouvez aussi, il y a les petits cucus au départ, ça chauffe et après ça disparaît. Vous pouvez aussi cliquer la page Powerman France pour gagner une place au Powerman cet été au 14 juillet, c'est un duathlon course à pied, vélo course à pied. Vous cliquez j'aime sur la page et vous postez sur votre page une photo de vous en train de faire du home trainer.
Et voilà, c'est parti. Et là, vous avez la possibilité de tirer au sort et de gagner une place. Vous avez un autre truc. Bon, moi, je tourne la tête, c'est pas hyper cool, mais bon, vous me direz si vous aimez. Vous avez une autre possibilité, c'est si vous mettez là dans les commentaires. Vous mettez dans les commentaires Rizoul, d'accord, ou Rizoul Kera, Cyclo Rizoul, eh bien, vous serez tiré au sort et on pourra, vous pourrez gagner une place pour la cyclo sportive, la Rizoul Kera, dans notre date qui est magnifique, qui se déroulera fin juillet. Voilà. Alors là, on fait notre petit échauffement. Il y en a peut-être qui sont déjà chauds. J'ai eu mon pote Bernard au téléphone, l'organisateur de la Rizoul, d'accord, qui m'a dit que lui était déjà chaud. Bon, alors pourquoi les Belges? D'accord, parce que les Belges, c'est des gros rouleurs et que vous arrivez à Marrakech qu'avec mon gabarit, je préfère rouler que grimper l'école. Ce qui n'est pas le cas de mon pote Bernard. Il fait, je ne sais pas, il doit faire 50 kilos. Il grimpe, on dirait un cabri. Le mec, il a 60 balais. C'est une machine, d'accord? Et tiens, regarde, je regarde là. 250, vous êtes en ligne, c'est impressionnant. Salut l'Alsace. Salut les amis. Salut Hervé. Ah, Cyclo, Rizoul, c'est parti. Rizoul, allez, avec un, c'est pas grave. Eh bien, mon cher Bernard, tu as des gens qui veulent participer à la Rizoul. Fin juillet 2020. Guillaume, ton humour, hein, ça va. Ah, mon Benji, il est là. Salut Nico. On se chauffe. D'accord, on va faire un petit échauffement pendant 5 minutes. Vous vous souvenez, le principe, c'est que le corps monte en température, les muscles, on a un peu mal d'hier quand même. Hein. Salut mon Gilou. Allez, donc on s'échauffe tranquillos. Aujourd'hui, c'est une séance dure. Ça, je le dis, je le répète. Aujourd'hui, séance difficile. Donc, n'hésitez pas. Et ouais, Guillaume, Châteauroux, tu connais, c'est génial. Si c'est trop dur, vous arrêtez, c'est pas grave. Alors, il y en a qui vont me dire, Nico, il faut que tu nous dises la puissance et tout, machin. Putain, c'est dur. Je vous garantis, c'est pas facile. Hein. On dit Macron, on critique, mais putain, pour gouverner le peuple français, c'est pas facile. Salut la Bourgogne! Hey, 250, ça va frotter dans, les... dans le paquet. Bon, salut David. Yes. Brive la gaillarde là aussi, en force. Putain, les gars, c'est bon ça. Toujours la pêche. Alors, écoutez bien. On va faire des alternances de 3 phases. D'accord? Je ne vous dis pas combien, je ne vous dis pas combien de temps. Pourquoi? Parce que dans une course, vous ne savez pas. OK? Et c'est mieux pour l'organisme de ne pas faire toujours les mêmes schémas. Donc, on va un peu faire une stratégie de trucs machin que ça nous ça va nous surprendre. Mais il va y avoir 3 phases, d'accord? La phase 1, c'est la phase d'attaque, d'accord? Ah, ça y est les gars, les Belges sont dans la place, ça commence à arriver. Aïe, 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 ils sont nombreux, je vous le dis, hein? Oh putain, ça arrive. Bon, heureusement, il y a Bordeaux qui est là aussi, c'est bon. Et la Garonne, et on est bon. Donc, 3 phases. Phase d'attaque. Moi, phase d'attaque, je vais être aux alentours de 85-90% de ma PMA, pour ceux qui ont un capteur de puissance. Pour les autres, la phase d'attaque, c'est vous dire, voilà, on est, ah, il y a nous le riche qui est là, c'est bon. Voilà, on est en train de monter un col, ou on est en train de rouler en paquet, ça attaque fort, on y va. On n'est pas attaqué, mais ça y va fort, d'accord? Voilà. Non, je vous dis conneries. Pardon. Non, la phase d'attaque. Oh putain, je m'embrouille. 3 phases. Attaque, tempo, repos. OK? Attaque. On est 85-90% de la FC max. Non, 85-90% de la PMA. OK? Bien. La phase tempo. On est à 80% de la PMA. 75-80% de la PMA. D'accord? Menton est là, les gars. On est énorme, on est 260. Bientôt, on est aussi nombreux que dans une cyclo. Je vous préviens, au départ, c'est place au premier.
OK, les phases de récupération, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Allez, je reprends. Attaque, 85-90% de la PMA. Même 80-90% en phase d'attaque. OK? Allez, frères, le mouette sont là. Ça a chié. Ça a poussé. Hein. Je vous prie bien sur le plat, là. On va voir les jambes en arrière. OK? Allez, ça fait 5 minutes. On se chauffe un peu. On descend les braquets en danseuse. Voilà. Alors, je me suis mis l'esprit comme ça. Ce n'est pas avantageux pour moi parce que j'aurais préféré avoir la fenêtre devant moi. Mais je me suis dit comme ça, voyez mes braquets. Ça n'a aucune espèce d'importance, le braquet. Ce qui est important, c'est la puissance qu'on y met. Mais bon, il y en a qui aiment bien ça. On va essayer de vous faire plaisir. OK? Allez, danseuse. On y va tranquille. On essaie d'être relâché, vous souvenez. Pendant une minute. Voilà. OK? On va commencer à faire un peu monter la température, d'accord? Allez, on s'assoit, on maintient le même braquet, 100 tours par minute. Allez, voilà, allez. Allez, il faut que ça monte un peu les watts là, hein, d'accord? Voilà, on monte. Et là, je vais aller chercher pendant 20 secondes la puissance cible la plus élevée, juste 20 secondes, d'accord? Waouh, l'Espagne est là aussi. Attention, 3, 2, 1, allez. 90%. Hop, puissance un peu pour la casse. Allez. Ça frotte, j'y suis. Hop là. On récupère. Allez, 90 tours pédale souple. La meuse est au rendez-vous avec Michel. On a les grosses équipes, je vous le dis. Hein. Ah. Alors moi, je vais commencer à mettre un peu de soufflant. Voilà, j'ai mis le ventilateur derrière. Oh, my Mr. John est en place, les gars. Allez. On va se refaire un petit tour de chauffe. OK, redanseuse. 30 secondes. On se met une plus grande résistance sur la plaque. Allez, on y va. C'est parti, en danseuse, souple. On essaie de rester souple, les gars. Allez, on s'échauffe. On a pas moins les oiseaux ce matin, oui. Ça y est, quand ça chauffe, j'ai apporté un peu des réglages quand même. OK? Allez. En danseuse, souple. Relâchez. D'accord? Allez, prêt pour 30 secondes. On va chercher la puissance cible. Donc moi, 350, 360 watts. OK? 80-90% de la PMA. On est parti. Allez, go! Youhou! Trop. Il ne faut pas partir trop, oui. 4 heures de puissance, ça sert à ça, c'est trop. Hop là. Allez. On récupère un peu. Ça y est. On commence à transpirer. Ah. Yes, ça fait du bien. Salut mon Wally. Qu'est-ce qu'il me raconte pour tenir celui-là? Et oui, voilà, j'ai mis le ventilateur pour avoir le vent dans l'eau et la fenêtre aussi. D'accord? OK, on va y être. On est bon. Allez. On descend un peu, on remonte, d'accord, à peu près à 60% de la PMA en moulinant. Voilà. OK. On y est. Attention, on va mettre la plaque et on va faire une accélération encore à 300-400 watts. Allez, on y va. OK.
Ok, 90% APMA. Allez, go. En danseuse. Vous avez remarqué, ça chauffe. Voilà. On laisse souffler les muscles. Et on se rassoit. On mouline tranquille. Voilà. Hello, John. Ça va, mon ami? Alors, j'ai fait la promotion, les amis. Hein. Souvenez-vous, pour gagner une place du Powerman France, vous devez liker la page du Powerman France. Ensuite, sur votre page, partout en France, vous mettez une photo de vous en train de faire du Zoom Trainer, tout simplement, et vous pouvez gagner. Ok, les mecs? Alors, on va faire la mini-boss classique. Eh ouais, joli le cube. Hein. Si vous connaissez les dirigeants de cube, vous pouvez leur dire que bon, ils pourraient être généreux un peu avec moi, parce que je leur fais de la pub. Donc, on va faire une petite pause. Ouvrir les fenêtres, se détendre. On remonte tout de suite, 30 secondes. Tout est prêt. La boisson, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec du sucre. D'accord, il faut de l'énergie. Et après, on est parti. Pour gagner aussi une place pour la Rizukera, vous mettez Rizukera dans les commentaires et votre place sera tirée au sort par mon ami Bernard. Wouh ! Allez, c'est bon, je pense qu'on est chaud. Donc moi, je vais ouvrir les fenêtres, mettre la casquette. Et là, c'est parti. Hein. Attention, ça va partir fort. Hein. Je le sens, ça va partir fort. Les Belges sont là et ils nous mettent la pression. Moi, je vous le dis, les Belges vont nous mettre la pression. Je le sens. Je le sens. Par contre, je ne sens pas du tout le ventilateur. Alors, je vais mettre sur 3 parce que là, c'est parti. Allez. Vous êtes prêts, Chogo? Est-ce que vous êtes chaud? Je veux des pouces et des cœurs gênes dans tous les sens que ça pète. Et quand j'ai une avalanche, on part. Allez, ben ça ne va pas cailler longtemps. Ok? Dans 30 secondes, on est parti. On va se mettre à 80% de la PMA. C'est tempo, d'accord? Hey John, une pression? Allez, 10 secondes. Il y a Captain Flamme, les gars. Putain, c'est mon héros d'enfance. Je me mets sur la plaque. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, feu gros, c'est le départ. Allez, pam, putain, c'est les Espagnols qui attaquent, les gars. On y va. Allez, 280 watts. Ok, les gars. Là, on part pas voir comme des cons. On gère son effort. Laissez partir les Espagnols et faites travailler les Belges. Ok, on se met à notre 80% de PMA, régulier, 100 tours par minute. Bam. Donc, voilà, j'y suis. Là, je suis bien, je suis dans le tempo. On y va. Allez, coup de pédale, relâchez. Allez, si je monte, vous voyez, si je suis trop dans les watts, je vais plus de souplesse. Voilà, comme ça, je tiens dans le temps. Voilà, 100 tours, minute, 260, 10 watts, 280 watts. Allez, 124 pulses. Attention, les premiers, c'est pas ce qui font le plus mal. On gère. Allez. Les Espagnols, ils sont là, ils sont à 20 secondes. On ne stresse pas. On laisse travailler les Belges. Nous, on doit être réguliers. Entre 260 et 280 watts, 100 tours par minute. Allez, encore une minute. Dans une minute, on place une attaque, les gars.
Allez, il faut faire la sélection par l'arrière. Il n'y a pas. Allez, 270, 280 watts, on est bon. 100 tours, 120, 130 pulses. Attention, 30 secondes. Les attaques sont longues. Hein. Allez, allez, on y va, on maintient. C'est tempo là, tempo d'attaque. Secondes. Vous êtes prêts? Ça devient nerveux là. Ok, il va y avoir la montée. Là, la montée s'attaque. Prêt? Allez, on y va. C'est la côte. Allez, on ne se fait pas larguer. Les belles, j'accélère. On y va. 90% d'APMA. Allez, 370 watts. On maintient 5 minutes, les gars. En second. Allez. Moi, je suis bien là. Mais il ne faut pas se dévoiler. On reste dedans. Allez, les gars. On est dans les roues. C'est bon. Attention. 30 secondes, récup. Petit plateau. On tourne les jambes. Attention, elle est courte. Putain, je pète de chaud. Attention, on va repartir tempo. D'accord? On a récupéré tout le monde à la montée. Et là, sur le plat, allez. C'est reparti. On y va. 80% de la PMA. On est parti. Ah. Oh, je suis trop là. Bon, flamme. Allez. 280 watts, Nico. On est bon. On est bon. Allez. Ah, voyez, ça reprend le rythme. Allez, on se met dans les roues, les gars. On ne bouge pas. Voilà. C'est en tour pédale. On mouline. Pour garder la pression musculaire à la fin. Sans RPM. 130 pulses, ça monte. Et on essaie de se relâcher. On relâche son coup de pédale. Relâchez le haut du corps. On y va. Allez. Ça, le but de ça, c'est juste de nous user. Hein. C'est ça le but. On maintient le tempo, la puissance. Allez. 135. Et je prends quasiment 5 plus à chaque fois. Attention. On va prendre le virage. Et après, ça nous ouvre une bosse. On sait ce qui va se passer. Les Belges vont attaquer. C'est leur jeu. Ils accélèrent. Nous, on reste dans les roues. Ok, 10 secondes. Allez. Attention. Hop.
On tourne. On baisse une dent. C'est parti. 90% d'APM. Je monte. 350, 360 watts. Allez, go. Allez, Nico. Allez. Allez. Plus gros. Allez. Allez, j'y suis. La fréquence. Allez. C'est quand même fort. C'est dur. Allez. Encore 20 secondes. On tient bon, les gars. Allez, ils ne nous lâcheront pas là, c'est les 5 dernières bandes. Maître, allez, c'est bon, c'est la descente, on récupère. Allez, on se met dans les roues, on récupère. Là, on commence à sentir les cuisses, hein. Normal, c'est que le début. Ok, c'est le but de la séance, s'habituer à la douleur. Ok. Allez. Vous êtes toujours là, les gars. Super. Allez. Attention dans les virages. On reste lucide. Putain, la Belgique reçoit un renfort de taille. Avec Lucho. Qui arrive. Ça va être dur dans les côtes. Attention. Là, on arrive sur le plat. Allez, ça va embrayer. On met la plaque. On est parti, les gars. On mouline. 100 tours par minute. Allez, on s'accroche, les gars. On a tous mal aux jambes. Moi, si vous savez comme j'ai mal aux jambes, là, à parler comme un con. Allez, 80%. La PMA. Allez. On y va, on tourne. Allez, on s'accroche, les gars. C'est maintenant que ça paye. Quand vous avez mal aux jambes, c'est maintenant que ça paye. Tu peux se dire. Je parle pas, hein. On ne mouille pas, les gars, je ne peux pas. Putain, c'est les ritards, là, ils sont devant. Putain, ils mettent le tempo. Ils nous mettent tous mal. Je ne comprends pas. Vous avez dit qu'ils voulaient avec nous. Toujours comme ça. Allez, laisse tomber. Reste dans ta course. Allez. Allez. On maintient les indicateurs, RPM au-dessus de 100, puissance 80%, tu es entre 280 et 300 watts, c'est dur, allez. Allez, encore, encore une minute comme ça, les gars. Allez, on y va. Ça roule, c'est fort. Faut que ça saute derrière. Il y a la moitié des Espagnols qui ont pété, ils sont plus là. Ok. Les Belges, ils s'accrochent. Faut qu'on s'accroche, les gars. Faut qu'on s'accroche. Les Belges, ils sont là. Allez, c'est une course d'usure. Allez. Putain, pense à boire, Nico. Allez, on s'accroche. Attention, 10 secondes. On fait une bosse. Putain,
Les mecs font la bordure, les gars. Allez, on y va là. On passe par pendant la bordure. Allez, c'est une bordure, les gars. On roule. On y va. Prenez les roues. Putain, le compteur, il s'affole. Ah, je me suis fait un peu décrocher. T'inquiète, je reviens. Reviens. C'est bon. J'y suis. Oh. Allez, ça tourne. Ça tourne, les gars. On élimine tout le monde. Les Belges arrivent pour nous. Ah! Il y a 10 secondes. On s'accroche. Allez, c'est bon, ça tourne les gars, on est dans l'endo, on est dans les roues, nickel, allez, on récupère, oh. C'est maintenant qu'il faut récupérer les gars, oh. J'espère que vous avez déjeuné ce matin, mais il n'y a pas eu, hein. Que moi, j'ai déjeuné il y a 3 heures, sinon je dégueule. Oh. Allez, on tourne quand même les jambes. Ok. On est bandeau. Allez, c'est reparti. Tempo. Tempo attaque. On remet la plaque. On est parti. 280 watts. En tout cas pour moi. 80% de notre PMA. Allez. C'est parti. Je vois rien. J'ai pas les lunettes. Donc c'est même pas la peine de m'écrire. Mais par contre, vous pouvez blaguer entre vous. C'est toujours sympa. Ah, ok, excusez-moi les gars, mais faut que je m'en dise parce que là c'est le bordel. C'est le bordel chez moi. Allez. Voilà. Ok. Là, tu tiens. Ouais, tiens. Allez. Ah, ça va, c'est bon. Pour une fois, je prends pas un relais. C'est bon, ça va. Je vais me reposer. Les gars, quand je suis fatigué, je suis énervé, hein, comme tout le monde. Allez, on est reparti. Voilà, tu vois, j'y suis. Wouh! Allez, on s'accroche. Oh, je suis trop là. Voilà. Restez à 80, 85% max. D'accord, les gars? C'est de la gestion de l'effort. C'est à rien de se donner trop. C'est à la fin que ça paye. C'est à la fin. Pas maintenant. Maintenant, on génère la fatigue. Allez, encore une minute. On a combien? On a 4, non? Les gars, là, dans la prochaine côte, c'est à nous de faire la différence. Il faut qu'on attaque. C'est clair. Les Belges, les vois là. Ils sont pas assez alimentés. Ils commencent à craquer. On va en enlever la moitié. Ok? Tenez-vous prêts. Dans 30 secondes, on en met une. Ah. Ah. Allez, vous êtes prêts? Ça va y aller là. Ah.
passe devant, je mets le tempo les gars. Allez, on y va, on accélère, tempo, on les fait péter les uns après les autres. Relâche-toi Nico, putain, relâche-toi. Allez les gars, 270 watts, on tient. Ah, ça pète derrière, ça y est, ça commence à péter. 260, putain, lâche pas Nico. Allez, allez, voilà, on arrive en haut les gars, secteur pavé, on y est. Allez, on y est, récup. Ouh, ça a chauffé là. Ouah, pas comme sa mère. Ouh, ouh, ouh. Allez les gars, il faut s'accrocher. Je sais que ça fait mal, mais ça paye. C'est maintenant que ça paye les gars. Voilà. Ok, je compte sur vous. Vous êtes encore là. Vous êtes encore avec moi. Allez, si vous êtes mort, vous continuez souple à votre rythme. D'accord, restez avec nous. Et puis, sinon, vous continuez quoi. Ah. Ouais. On est passé de 250 à 200. Il y en a quand même un qu'on lâchait. C'est bien. Allez, go. Vous êtes prêts? On remet la plaque. Ah ouais, mais, les Belges, ils ont compris. Hein. Ils ont mis leur homme fort devant. Allez, ils vont nous ramener la pièce. Ça va rouler fort. Allez, on est parti. Tempo, 80%. Allez, mettez de la vélocité, les gars. C'est ça qui va vous permettre d'accélérer à la fin. Sinon, vous serez cuit. Allez. Ok. Là, j'en ai trop. Voilà. Véloce, Nico. C'est ça qui paye. C'est les dernières séances qui payent. Ok. Allez. On y est. Allez, Nico. En position. Allez. Prends un relais. C'est juste pour les impressionner, les gars. Comme ça, ça va les calmer. Pas encore un relais derrière. T'en fous. T'en fous. L'essentiel, c'est que ce soit l'équipe qui gagne. Allez. 260. 100 tours. On y va. Allez. On est bon. 280 watts. Ok, 100 tours minutes. On y est. On va les user. En force. Allez, encore. Allez. Allez. Ça va payer, les gars. Ça va payer. Allez. Attention, les gars. Je me méfie. Ça est qui? Il y en a qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et ils sont là. D'accord? Et ils sont costauds. C'est les Suisses. Faites gaffe, les gars. Il y a le Fabian qui sort. Il va sortir, le gars. Je le sens. Là, il y a un mont pavé. C'est pour lui. Donc, tenez-vous prêts. Parce que là, ça va faire mal. Je vous le dis, c'est l'avant-dernière difficulté. Donc, la sélection va s'ouvrir maintenant. Alors, on y va. Ok, les gars, quand je vous le dis, là, c'est le dernier mont pavé.
Après, il y a une grande difficulté, c'est l'arrivée. Allez, on est parti. Go. Allez, 380 watts. Vas-y, Nico. Ouh. Allez. On est parti. Putain, une attaque. Il y a la puissance, on a qu'un, je vous dis. On s'accroche. Reste avec moi. Reste relâché, Nico. Reste. Relâche-toi. Allez, souffle. 380 watts. 143 pulses. Allez. 15 secondes. C'est la fin. On va bout. On s'accroche, les gars. Allez. Putain. On s'est pas fait décrocher, les mecs. On est bon. On est dans la roue. Ah ben là, mon mec, je crois pas que je sois enroulé là. T'as voulu faire ça. Tu t'es planqué. Et là, on termine du coup. C'est bon. Moi, je reste derrière. Allez. Allez. J'ai cru. 10 minutes. Allez. Refaites-vous les jambes. C'est la dernière. Accélération. Attaque de l'arrivée. Ne vous inquiétez pas, les gars, je mène le sprint. Tu me sautes dans les 200 derniers mètres. C'est clair. Ok ? Voilà. Celui qui est mort, il travaille pour les autres. Celui qui sent bien, il le dit. On travaille pour lui. Allez, c'est comme ça, les gars. Le cyclisme, c'est la solidarité. On travaille intelligemment. Allez. C'est parti. Allez, c'est reparti. On y va. Allez, 80-85% de la PMA. On enroule sans tout pédale par minute. Ok. Maintenant, faites comme vous pouvez, c'est la fin. Allez, go. Qui c'est qui est bon? Qui c'est qui est là, les gars? On travaille pour qui? Allez, positionnez-vous. On travaille pour qui? Qui c'est qui fait le sprint? On y va. Allez, évidemment. C'est sûr, c'est pour toi, ça. Allez. Je t'emmène dans la roue, chérie. On y va. Allez. Tu restes dans la roue. Je te protège. Je pousse les mecs. Je suis plus lourd, de toute façon. Attention. Pas trop fort. On reste dans la cible. Allez. On est là, si. On y est. Voilà. Allez. 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 Je touche pas, les gars. Je suis taqué, là. Je suis au max. Allez. Voilà. Voilà. Encore une minute, un peu plus, on s'accroche. Allez, il y a les Belges, il y a les Suisses, et il y a nous, on y est. Allez, et les autres, vous nous encouragez, les gars. Allez, encouragez-nous. Allez. Allez. Je suis à 300 watts comme un con. Ça accélère à la fin. On est obligé, les gars. On est obligé. En secondes. Allez, dans ma roue, je vous amène, les gars. Allez, vous êtes prêts?
Allez. On y va. Dernière minute. 90. 100%. On y va, bloc. Allez. 390. Allez, je te demande à 400 watts. Il n'y a personne qui peut doubler. J'arrive pas. Allez, pousse. 400. On y est. Allez. Belle seconde. Allez. Prêt à sauter. Wait. 10. Allez. Stop. Wow. Oh. Oh. Check, Lina. Check. Elle était belle. Elle est belle, celle-là. Bravo, les gars. Faites un gros plan. J'aime les Belges. Mais aujourd'hui, c'est nous, les gars. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est nous. C'est Alain, 67 ans, qui vous a sauté au sprint. À la fin, il fait partie de l'équipe. Oh! Donc là, on fait nos 5 minutes de retour au calme. Et je vais me faire plaisir, je vais vous dire. J'ai les lunettes, elles sont noires. Yes! Super, Juju. Ah, merci, Seb. Putain! Bravo. L'Espagne a pu suivre facilement. Et ouais, mais elle est derrière. C'est bon, ça, hein? Ah ouais. Les gars, j'espère le confinement... Ça arrêtera, mais j'en profite pour vous dire que on fait des. Bravo Alain, c'est toi qui l'as gagné ça. On fait des stages fin mai de vélo sur endroit. Venez nous rejoindre parce que ça va être exceptionnel. Ouh. Merci mon chéri. 280-300 watts, c'est à peu près 80% de ma PMA. Pourquoi? Je dis pas de conneries, non. Sur mon traîneur, ma PNA, elle est à 390-400 watts sur mon traîneur. D'accord. Et dehors, elle est à 430-440. Donc, voilà quoi, 300 watts. 300 watts, je suis un peu en dessous. Mais bon, il faut que je parle, quoi. Hein, tu m'excuses. Voilà. Mais t'as raison, je suis un peu en dessous. Désolé. C'est bon, Serge. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Barra, merci beaucoup. Super. 4H7. Pas Zwift, mais je m'y croyais. C'est mieux que Zwift, les gars. Jacques, salut Jacques. Les Belges sont toujours là. Et ouais, vous êtes exceptionnels, les amis. Je vous aime. Merci. Bon, pensez à la récup après. Là, clairement, la récup, elle est fondamentale, les amis. Derrière, vous me prenez une gourde avec du glucose, d'accord? Tout de suite derrière, 500 ml dans l'heure qui suit. Comme j'ai dit hier, un petit fromage blanc. Moi, je préfère la beuverie. Un petit fromage blanc avec des céréales, du miel et des framboises congelées. Merci, Eric. Vive les Belges. Ah, t'es cuit, ça me fait plaisir, hein, parce que moi, je suis défoncé. Merci, mon capitaine. Bon, demain, les gars, 10h, on remet ça tranquille, d'accord? Et ça sera une séance de récupération, régénération. On ne se met pas minable tous les jours, on s'entraîne 6 jours par semaine.
D'ailleurs, si vous faites que 3 ou 4 fois, c'est très bien. Et ah putain, Alain, c'était une première pour toi. Bon, avec le nom que t'as, Alain Moreau, hein, t'es une machine. Donc demain, on récupère. Les baskets fument. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouh, allez, encore un petit récup. Pensez à la récup, c'est important. Évitez la bière. La bière, ça ne fait pas récupérer. D'accord. C'est une connerie. Au contraire, ça stimule la sécrétion d'estrogène et ça inhibe la sécrétion de testostérone. Donc, évitez la bière. Il vaut mieux un sirop. Voilà. Allez, à demain, les amis. Désolé, aujourd'hui, j'ai pas trop répondu à vos questions. J'espère que vous comprenez pourquoi. On se retrouve demain. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo où là, j'attends encore un peu. Vous préférez quand je suis de face à la caméra ou comme aujourd'hui de profil? Ah, je vais avoir votre avis. Ok? Putain, vous êtes encore 200, c'est trop génial. Hein? Donnez-moi, champagne. De profil ou de face? Les gars, vous préférez quoi? De profil ou de face? Ah, couper la haie en guise de récup, c'est pas mal, hein, Marc. C'est bien. Voilà. Merci Jean-Michel. Allez, dites-moi, vous préférez la séance de récup? Le profil, merci. Le profil, merci. Voilà, profil, c'est top. D'accord, ok. Bon, de derrière. Diane, de derrière. Diane, si ma femme t'écoute, tu es morte. Voilà. De face. David, pour l'instant, t'es un peu seul. Ouais, c'est clair. Bon, allez, je vous embrasse, les gars. On a récupéré. Demain, il faut que je m'organise autrement pour la. Ah, merci, les chouchous. À demain.